Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la question du jour. Comment savoir de qui proviennent les signes que l'on reçoit? Eh bien, c'est tout simple. Quand vous avez un signe, quel qu'il soit, un cœur, une plume, une odeur, un prénom, une musique, et que sais-je, la première pensée que vous allez avoir dans votre esprit correspond à la personne qui vous l'a envoyé. Si vous pensez tout de suite, ah, c'est mon guide, ça sera lui. Si vous pensez tout de suite, ah, c'est mon défunt, c'est ma soeur, ma mère, mon enfant, etc., ne doutez pas, ça sera cette personne-là. Donc, tous les signes que vous pouvez recevoir viennent de l'au-delà, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut venir des guides, ça peut venir des défunts, etc. Et comment on sait de qui vraiment ça provient? Tout vient de votre cœur, de ce que vous allez ressentir à ce moment-là. Donc il faut absolument vous faire confiance. Et parfois, les signes viennent pour vous dire t'inquiète pas, tu n'es pas seul, etc., etc. Et parfois, il y a des signes qui viennent confirmer, affirmer une pensée ou une demande que vous avez pu avoir juste avant. Donc il faut vraiment vous faire confiance lorsque l'on vous envoie des signes. Je vous embrasse.